Oui. Faudra voir si je mets de la musique ou pas, selon si on se fait chier ou pas. Est-ce que j'ai toujours mon compteur de thunes activé? Oui. Avec comme objectif 5 euros pour rembourser ma vie. Parfait. Attends, je vais tester un truc TPD. Non. Alors, propriété. Ah ouais, ça marche bien, le stream c'est cool. Dark Souls 2, ok. Ah, mais je joue dans une toute petite fenêtre. Agrandissons ça. Oula, attends. Peut-être pouvoir y jouer en plein écran, ce sera peut-être mieux. Alors, Twitch, pas de nouvelles informations. Oui, merci. Je t'entends en double là, c'est chiant. Eh ben, tu mutes le stream et c'est gagné. Oh, je le savais pas. Sale trou de balle, genre je traîne. Oui. Chat de la diffusion. Ok, nice. Et donc normalement, si j'envoie ça, je suis désormais dans le chat. Alors, vidéo. Allô. Vas-y, plein écran, 1900. Les paramètres ont été modifiés. Oui, c'est bien. Et après, le reste, on touche pas. Continuer. J'en étais à 1h46 de jeu, puisque j'avais recommencé ma partie où j'en étais à 8h52, et j'en suis arrivé au même point en 1h40. Bravo. Puisque j'avais bien fait de la merde sur ma première partie. Et genre, je m'avais dit, franchement, recommence, ça ira plus vite. Et j'ai recommencé, ça a été plus vite. Bravo, Quay. Alors, je me doute que si j'appuie là-dessus, je vais me faire péter la gueule par banana. Alors, appuyons là-dessus. Ok, très bien. Il est parti, je crois. Apparemment, il a envahi un autre monde. Ou alors, comment... Ok, on se déplace comme ça, on peut faire la toupie. Est-ce que la qualité de stream est propre au moins? Bah, en fait, la qualité de stream est au fait qu'il y a ton fond d'écran sur... Oh, Il y a un... Nani! Mais ça devrait... Mais c'est de la merde. Bon, OBS, bravo OBS, c'est réglé. Ouh. Ah, c'est pas... Là, c'est parti. Très bien. Bravo OBS, très malin. Donc, j'ai... Non! Ok, donc ça, c'est la touche pour boire des fioles de merde. Donc, c'est pas ça que je veux faire. Ça, c'est pour mettre des coups de bouclier. Donc, ça, c'est pour se défendre. Oui. Ça a l'air bien. Ça c'est pour taper. Et ça c'est pour taper dans l'autre sens. Est-ce que Normalement. la petite... Comment je peux le détacher le truc pour lui faire le bruit? Je ne me souviens plus. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la touche de roulade. Je pense que nous sommes désormais OP as fuck. Donc, on va essayer de pas faire ce que je faisais d'habitude, à savoir tomber de l'échelle comme une merde. Et on arrive donc en enfer. Ça a l'air bien. Donc là, on a Jean Michemiche qui va venir nous dire bonjour. Lui est mort. Non, il y a un autre Jean Michemiche là-dedans. Un Jean Michemiche endormi. Ouais. Ok, bah c'est super. Non! Ah, mais il y a un deuxième Jean Michemiche. Aïe, aïe, aïe. Ok. Il va falloir que je me rappelle des touches. Donc c'est Y pour boire du caca. Ah, j'ai que deux fioles! Ouais. Ok, super. Cette porte.
Donc là, je bois du vide. Parfait. Cette porte, si je me souviens bien, je pouvais pas l'ouvrir. Et quand on allait ici, on se retrouvait dans un monde chiant avec des mecs qui nous tirent dessus et duquel il fallait vite se casser. Là, il y a un monsieur tortue, on s'en branle, on esquive. Ça, on s'en branle, on esquive. Très bien, on va courir. Non, je n'existe pas. Laissez-moi! Par ici, on a deux gens. Ils sont en train de couper des arbres. Non! D'accord, donc j'ai fait n'importe. J'aurais dû m'occuper de l'autre Jean-Jean. Je ne connais plus les touches. Et on a Sam String qui nous a dit salut et toi tu lui as répondu et je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Bonjour quelqu'un. Donc on va redescendre et recommencer tout ça. Puisque de toute façon je connais pas le jeu et j'y vais. De toute façon je m'étais pas, je m'en étais arrêté là sur ma partie qui a duré 8 heures. Donc là j'y connais pas plus. Aïe. Non, je me trompe de touche pour attaquer, putain. Insupportable. Là, on a Jean-Jean qui fait semblant d'être mort. Voilà. Ok. Là, on a quoi? Une âme de mort-vivant perdue. Une porte que je peux pas ouvrir. Là, on peut voir qu'il y a un popole qui a sauté dans le vide. Ah, c'est drôle. Alors, Et moi, du coup, je vais voir décaler ce chiant. cette porte-là, normalement, je peux pas l'ouvrir. S'ouvre pas de ce côté. Oui. Et je pense que du coup, je vais recommencer à rush comme un débile. Mais attends. J'avais pas un sort. T'es sûr d'avoir un sort avec ce perso? Genre au moins un sort de heal. Ah, je peux faire ça. Très bien. Très utile. Alors attends. Inventaire. Non. Équipement. Merde, je sais plus c'est où les sorts. Oh, je connais plus rien. Oh, ça va pas être drôle. Inventaire. Statut du joueur. Non, je crois que. J'ai failli backdash dans le vide. J'ai failli backdash dans le vide, on touche plus à rien. Non, mais putain, je me trompe de touche. Donc, on a dit que on courait. On court. Jean-Jacques la tortue, on l'esquive. Ça, courir, je sais faire. S'il vous plaît, laissez-moi me barrer d'ici. Est-ce qu'il descend à l'échelle? On va pas essayer de savoir. Donc là, on a Jean, je fais semblant d'être mort. Voilà, tu fermes ta gueule. J'entends des coups de dans le vide. Je sais pas d'où ça vient. Pourquoi? Comment j'ai déséquipé mon bouclier? Ok. Ça a l'air vraiment chiant là, tu vois. Pourquoi? Je sais pas. J'aurais pas la déterre de jouer. Ah!
Un petit PD! Je récupère mes âmes. Et là-dedans, on gagne quoi? Une grande âme de mort-vivant perdue. Donc là, ils étaient en train d'essayer de couper un arbre. Et quand on les examine, ils se disent, rien ne se passe. Ce n'est pas très efficace. En Dark Souls, c'est rigolo, mais faut que je retrouve mes réflexes là parce que c'est un jeu qui pardonne très peu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Pour roulade, hurrah! Alors, je crois que c'était un enculé. Parce que si j'avais fait une roulade dans ces tonneaux-là, il m'aurait explosé la tronche et je serais mort. Ah. Essayons de grimper cette échelle donc. J'ai peur de ce qu'il y a en haut. Alors, ça a l'air safe, mais j'aime pas quand ça a l'air safe parce que ça a l'air rarement. Une arbalète légère. Et là, on nous dit combat à distance nécessaire. Droit devant, fonce confiance. Pas d'accord. Inutile droit devant. Très bien. Oh mais je m'en fous des trucs avec les torches, hein, laissez-moi. Y'a quoi ici? Y'a un coffre et deux Jean-Jean. Mais Jean-Jean, je peux pas me les taper comme ça. Ah ils m'attendent ces trois bâtards. Non, il y en a que deux. En tout cas, ils m'attendent, j'y vais pas. J'y vais pas, c'est pas worse. Partons plutôt là-bas. Où ça a l'air, ma foi, un peu plus accueillant. Putain, je veux pas utiliser ça, je me trompe de touche. Casser la petite carriole. Qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de gens morts ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils fuyaient tous un encul. Menteur droit devant. Menteur droit devant. Il y a beaucoup trop de gens qui sont morts dans ce couloir. Hein. Ah mais parce que les... Tous les petites taches rouges, c'est des gens qui sont morts et tu peux voir comment ils sont morts en appuyant sur la tache et tu vois leurs petits fantômes D'accord. et tu vois mourir. Et les trucs, les petits messages, c'est des messages que les gens laissent par rapport à des mots auto-inclus dans le jeu. Tu peux faire des petites phrases à la con. Là, il y a un mec qui dit essayer déverrouillage et un autre qui dit secret droit devant. D'accord. Et Ah, donc c'est... là je vois qu'il y a deux bâtards. Aïe! D'accord, il y en a pas que deux. Ils sont plutôt beaucoup. Intéressant. Je vais mourir. Je ne suis pas mort. Mais c'était chaud puisque je ne connais pas les boutons. Très bien. Quel bâtard, mec, quel bâtard. Tibéter, je n'appuie pas sur les bonnes touches. Bonjour, je suis con. Il en reste un encore. Aïe. Oui, je suis très fort. Il n'y a plus personne là.
Très bien. Ramassons ça. Un limon. Non, trois limons aromatiques. Et bah ça a l'air bien. Ce qui est bien dans Dark Souls, c'est qu'il y a 10 000 objets et tu sais pas à quoi ils servent. Regarde, là dans mon inventaire, j'ai quoi? Ça restitue PV. Éliminer le poison restitue PV. Rentou PV, ça ok. Ramène au dernier feu. Ok. Ça c'est des âmes. Augmente temporairement la chance, on sait pas à quoi ça sert. Améliore temporairement la défense des ténèbres. Je sais pas qu'est-ce qui tape en ténèbres. Permet de laisser une marque d'invocation, je sais pas ce que c'est. Permet d'envahir les coupables, je sais pas ce que c'est. Bannit les fantômes. Full merde. Y a quelqu'un ici? Attends, mais je suis où là? Je suis paumé. Il y a une histoire dans ce truc-là, quoi. Oui. Mais j'ai pas très bien suivi. Attends, là j'ai pas aimé parce que j'avançais une grille qui s'est fermée. Ah, c'est le soldat de tout à l'heure, ok. Donc là. Mais pourquoi il m'a. Ouvre! Toi, tu es gentil. Regarde, je claque des trucs de heal dans le vide parce que je suis con. Mais merde, mais il y a quoi ici alors? Est-ce qu'il y a des secrets dans les murs? Bonjour le mur. Bonjour le mur. Mais du coup, attends, c'est un enculé, il faut que je fasse demi-tour là. J'ai pas envie de faire demi-tour, hein. Je vais me faire niquer la gueule encore. Du coup, tout ça, ça servait à rien là. Ah bah si, bon, bah super. Bon, juste pour ça, c'était worse. Il y a un corps qui vient de clipper dans le mur, c'est. Pourquoi pas, hein? Ah ouais, putain, nice. C'est ok. Bon bah, c'était worse. Je retire ce que j'ai dit. Donc là, on a tous les Jean-Jacques le décédé. Mais attends, du coup, il faut que j'aille où? Le truc, c'est que je suis. Paumé as fuck dans le jeu. C'est trop grand, je sais pas où faut aller. Parce que là on était en bas là. Et là, il y a Jean-Jean qui est là. Il y a une âme là-bas que je n'avais pas vue. Essayez secret. Là. Y a rien. Y a rien. Bon, alors, est-ce qu'on se laisse tomber? Oui. Bonjour Jean. Comment allez-vous? Journey hither and thither on a sort of treasure hunt. Be careful out there. There's talk of D'accord. Donc il y a des bandits qui détruisent ces voyageurs. Alors je sais que là, à gauche, il y a un trou. Et dans ce trou, je m'en souviens très bien parce que je suis mort comme une merde. Il y a des petits mecs avec des grosses balistes prêts à te la foutre dans la bouche. Ouais. Et donc on va les laisser tranquilles. Plutôt ramasser une fleur verte qui sert évidemment à quelque chose, sûrement. Ah, mais ils sont là, mes sorts. Non, je vais pas détruire mon sort de vie, s'il vous plaît. Augmente la récupération de constitution. Qu'est-ce que la constitution? Bonne question, Jamie. J'en ai aucune idée. On me jette des bombes depuis le plafond. J'ai des tests, j'ai des tests, j'ai des tests. Je fais quoi, moi? Est-ce que. Je vais devoir utiliser la technique ultime de fuir. Ça semble plutôt prometteur. Qu'est-ce qu'on ramasse ici? Gemme de vie aux Il urtours. Très bien. y a De quoi? moyen de terminer le jeu en fuyant, ce jour? Non, à des moments, faut taper les boss quand même.
Et les bâtards! Ils m'ont body block. Ils sont beaucoup trop. Ah! Bon, moi, je sais à peu près jusqu'où il faut que je fuis. Donc, on va faire ça. Ce qui est bien dans Dark Souls 2 par rapport au 1 par exemple, et au 3 où ils ont pas gardé ça, c'est que à chaque fois que je meurs, ma santé maximale diminue. Donc plus tu meurs, plus tu meurs. C'est quand même beau. C'est pas mal ça. C'est bien fait. Ouais. C'est vraiment des gros enculs et je les aime pas. Alors. Jean-Jacques le Fourbe. Oui. Meurs. Ah, il est tombé. Ensuite, on a Jean-Jacques le Fourbe, mais lui qui fait semblant de dormir. Tu vas te lever tout de suite. Ensuite, on a un troisième Jean-Jacques. Parfait. Il s'appelle tout Jean-Jacques, c'est quand même pratique. Ensuite, on a Jean-Jacques le Dormeur. Que je n'arrive pas à taper. Très bien. Ensuite, on va courir. Parce que ici on nous tire des flèches et j'ai un peu regardé partout et c'était de la merde. Ici il y a Paul la tortue. On va lui dire d'aller se faire foutre. Oh j'ai des bombes. C'est trop chiant les bombes. Alors on va descendre là du coup. Maintenant on sait que par ici il y a moyen de... Ne plus y aller en fait, c'est de la merde et les gens m'aiment pas ici. Mais au moins, normalement, on a attiré un Jean-Jean et on va pouvoir se fight à la loyale. Allez, viens. Aïe, aïe. Bon. De quoi ? Ils sont ils sont méchants. Ah, c'est compliqué quand même. Bah c'est reparti. Qu'est-ce qu'on s'amuse en jeu quand même. Je pense que on va même esquiver cela puisque ça sert à quoi de les tuer. Mais non, remonte pas à l'échelle, descends. Bien. Donc lui on s'en branle. Lui on s'en branle, lui on s'en branle. C'est parti. Ouais, vraiment la technique pour avancer dans le jeu, c'est s'en battre les couilles de tout le monde. Hein. Ouais. Paul la tortue. On s'en fout. Mec qui nous jette des bombes, on s'en branle. Et qui nous tape dessus à la lance, on s'en bat les couilles. C'est quoi? Tant que je suis là, on va même aller voir Jean-Jean l'arbalète là. Est-ce que ça sert à quelque chose? On sait pas. On y va. Un coffre. J'adore ce jeu. Je viens de voir ta mort, c'est marrant. Ouais, ouais, ils sont gentils quand même. Hein. Développeur, c'est pas des enculés. Je suis au début du jeu. Hein. Voilà, c'est ça que je faisais d'habitude. Putain, mais t'es mort comme une merde. Ce que je faisais à l'époque, c'est ça. C'est que plutôt que de faire une roulade, et eh ben, je. Enfin, non, plutôt que de choper l'échelle avec le bouton A, je me trompais, je faisais le bouton B qui me faisait faire une roulade. Et je tombais comme une merde et la chute était trop haute et donc je meurs. C'est bien ou pas? Mort parce qu'il est tombé de l'échelle? Est-ce que c'est héroïque? Alors, la tortue, on s'en branle. Le mec qui jette des bombes, on s'en branle. Et plus je meurs, moins j'ai de vie. Et moins j'ai de vie, plus je meurs.
J'aime beaucoup ce jeu. On s'en bat les Ça couilles fait de comme vous. 5 fois que je t'entends dire tout ça, genre On s'en attention bat les ça couilles. pétille. On s'en bat les Ouais. couilles. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé, tout le monde est mort. Mais pas moi. Y a moyen de faire des trucs, y a moyen de faire des trucs. Non, eux ils sont méchants! Oh, y a quoi là-haut? Ça a l'air bien. Une hallebarde. Oh putain. Tombé, d'accord, ok, cool. Non mais ça avait l'air bien. Oui, non, mais c'est mort. J'ai récupéré une hallebarde, ça se trouve c'est la meilleure arme du jeu, je sais pas encore. Alors, équipement. Ah oui, déjà, attends. Je voulais, pour me faciliter la vie, plutôt que mettre un sort d'éclair que je peux pas encore utiliser parce que j'ai pas assez de foi, mettre un sort de heal. Ah mais non, mais attends, je peux l'utiliser. D'accord. Redonne-moi ce sort d'éclair. D'accord, je me souvenais juste plus comment utiliser les sorts. Il me suffit de faire ça. Testons ce sort contre Petit Jean là. Bonjour Petit Jean. Ah non mais je ne sais plus comment lancer ça. Petit Jean, vous me faites chier. Je sais plus comment lancer des sorts, laisse-moi le temps d'apprendre, fils de pute. Ok. Ça a l'air bien. Je tire désormais des éclairs. Je Nice. pense que on peut faire des trucs. Ça fait moins mal que mes coups de patate normaux. Et ça prend 8 fois plus de temps à lancer, mais c'est un petit peu à distance. Et du coup, j'ai pas testé la hallebarde. C'est pas grave. On testera la prochaine fois où on va mourir, donc dans moins de 5 minutes. Parce que là, monsieur tortue, tu n'existes pas. Parle à ma main. Ah non, mais. Là, j'avais réussi à passer parce que l'autre avait tout fait péter, mais il va pas re-tout faire péter. Donc, on va plutôt aller voir les monsieur arbalète. Aïe, 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 aïe. Je les déteste. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Quentin terminera un jour Dark Souls 2? Non. Auquel je répondrai. Oui, évidemment. J'ai plus que la moitié de mes PV max. C'est parfait. Wouh! Génial. Et du coup, t'as acheté le 3, c'est ça? Ok. Apparemment, le 3 est plus facile que le 2. Il n'empêche que. En fait, le seul truc que j'aimerais, c'est trouver le prochain feu. Et pouvoir commencer à douiller. Ouais, c'est cool. Je t'en mets une tonne. C'est quoi ton jeu? Ah, mais en plus, j'avais équipé mon sort d'éclair plutôt que ma massue. Ouais, je change ça. Ah, mais j'ai pas été voir l'hallebarde. On descend. Là, on va faire Bon, une roulade là-dedans. Putain, mais quelle bande de bâtards, ils ont trop de portée avec leur lance de merde. Ah, une tortue. Oh, je les aime pas, je les aime pas, je les aime pas. Laissez-moi rentrer. Je suis rentré. Oui. Oh, cette porte est un raccourci, cette porte est un raccourci.
On vient de gagner une demi-heure de jeu. Descends! Voilà, on avance, on avance. Au plus bas des profondeurs des enfers. Attends, est-ce que tu viens d'avancer dans le jeu là? Ok, on est bon. Ici, toi! Tu es un petit bâtard et je ne t'aime pas. Alors là, Kevin, je crois que j'ai ouvert un raccourci. Ouais, mais t'es pas sûr. J'espère que... Non, normalement c'est un raccourci et si je l'ouvre, il reste ouvert. Allons voir tout de suite, sans faire de roulade. Voilà, comme ça on prend bien l'échelle. Je crois que désormais je suis invincible. Toi tu dégages. Toi tu es un enculé. Parce que tu as eu le temps de me taper deux fois. Bravo à toi, fils de pute. Oh la porte est ouverte! Oh! Ok. Ok, alors là, on a véritablement avancé dans le jeu. Et c'est pas rien. Essayons de descendre. Au tréfonds les enfers. Oui. Donc là, je sais qu'il y a Jean-Jean à gauche qui est un fils de pute. Ah oui, d'accord, il me tape au sol. Alors déjà, ça se fait pas. Et t'es un enculé. Et ta maman doit pas être fière de toi. Petit bâtard. Mais putain, focus! Ah! Bon. J'ai perdu tous mes points de vie sur un connard. Ça va être marrant quand on va tomber sur le boss. Alors, une porte. Est-ce que j'ouvre? C'est verrouillé. Très bien. Ne l'ouvrons pas. Tu peux pas te heal à l'infini? Bien sûr que non, ce serait trop facile après. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est entrer dans la brume, et il y a intérêt d'avoir un boss qui va me niquer ma race. Alors ça, ça ressemble à quelque chose qui va me niquer ma race, en effet. Je crois qu'on va se marrer. Ouais. Il y a une forme d'anus à la base de la tête. Ouais. Je vais pas battre ça, hein. Je vais pas battre ça, hein. Je vais pas battre ça, hein. Mais si. Oh sa mère. Le dernier géant. Ok, il racle le sol avec sa main. On va essayer d'apprendre ses patterns. Je tape dans le... Tape dans le jarret, tape dans le jarret. Tibetter, tape dans le jarret. Tibetter. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux... Hey, tu veux quoi? Oh, il fait quoi? De quoi? A tous les coups il va s'exciter. Il va ah bah s'exciter. Souvent les boss ils ont des phases 2 donc Ouf. Ok, il rigole pas quand il tape en vrai. On va se heal. C'est une belle tentative. PD va. Oh il fait quoi? Oh, ça y est, il est en phase 2. Il est en phase 2, il a mid life, il a sorti un bout de bois. Ah non, c'est son bras, il s'est arraché le bras pour me taper avec.
Petit bâtard, ça se fait pas! Est-ce que je m'arrache le bras moi pour te taper avec? Ah ouais putain. Ah, et bah son bras il a un peu plus de range. pas très sympa ce monsieur quoi. Ça, j'ai été jusque à la moitié de ses HP en restant en vie. C'est plus que correct. Alors j'avais dit que on avait chopé ouais. Une hallebarde à la con. Je crois que j'ai pas assez de force pour la porter. Je sais même plus je suis spé quoi. Ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça j'ai pas assez de force. Il faut 20. Attends. 20 et 14 XT. Bon on va rester avec la petite massue de merde, hein. Ça a l'air bien. Ouais, non, mais ouais, on va rester comme ça. Avec nos amis de Joel Clodo, c'est parfait. Est-ce que, à la place des lances d'éclair, je mettrais pas les sorts de heal? Et je crois que le sort de heal met 1000 ans à se lancer. Alors, on va tester ça tout de suite. J'aurai jamais le temps de faire ça en combat. Remettons le sort d'éclair. Oh la chicasse. Au moins, du coup, je peux juste courir jusqu'au boss. C'est bien, du coup, j'ai un point safe pas loin du boss. Salut Paul! Ça fait longtemps. Est-ce que je peux récupérer mes âmes vite fait? Oui, j'en avais 400, c'est dégueulasse. Autant pas les ramasser. Aïe! Alors, je le trouve moyennement gentil quand même. Est-ce que je peux ranger mon bouclier pour taper à deux mains? Non, je sais plus comment on fait. Il fait quoi là? J'ai cru qu'il allait ramasser des cailloux pour me les envoyer sur la tronche. Hein. J'étais pas serein là. BD va. Je tape toi. Si seulement j'avais plus qu'une demi-barre de vie, ce serait pratique quand même. On va faire tout le jeu avec une demi-vie. Hein. Petit PD va, c'est ta faute. Non! Aïe. Bon, alors on va devoir faire la deuxième phase de combat sans HP. Ça va être bien. Non! Là il va s'arracher le bras, on a le temps de douiller une attaque en plus, parfait. Et il a beaucoup trop de range là. Il m'a écrasé. Putain. Franchement il est facile ce boss en vrai. Plus facile que le premier que je m'étais tapé. Attends. Du coup. Est-ce que j'ai pas un truc pour redevenir humain dans mon inventaire? Ce sera pratique. Une âme. Des âmes à foison, à moins que. J'ai pas envie d'utiliser une âme où ils me disent à moins que. J'ai pas des humanités là. Effigie humaine. Permet de redevenir humain. Utiliser. Humanité retrouvée. Normalement, si je suis humain, j'ai toute ma barre de HP. Oh là là, ça va être beau. Alors là, on se met bien.
Est-ce que je peux pas brûler une effigie humaine? Attends, ça me permet de faire quoi? Allez, on va brûler une effigie humaine pour la science. Bloque les envahisseurs en provenance des autres mondes. Mais c'est de la merde, ça sert à rien en plus. Eh bah super. Au moins on pourra pas se faire attaquer par Joel Clodo. Il ressemble à quoi déjà mon perso? Où est-ce qu'on change d'équipement? Il a l'air bien moche, en tout cas. Merde. Oh oui, extraordinairement moche. Il est moins moche que le premier que j'avais fait. On va lui laisser sa capuche. Parce que j'avais pas envie de repasser 1 heure à la création d'un personnage qui mourrait direct. Puisque plus tu meurs, plus ta barre de vie descend et plus tu ressembles à un sale zombie dégueulasse. Et donc à la fin, tous les persos se ressemblent, c'est des sales zombies dégueulasses. Donc bon, à un moment. Donc là, on peut se taper le boss avec full life. Est-ce que ça a changé quelque chose? Sûrement pas. Puisqu'on joue comme une merde. Petit PD de mob qui a essayé de me mettre un coup dans le dos là avant le boss. Il me tombe dessus maintenant! Mais il fait quoi? Mais t'es con! Mais il est con! Eh! C'est quoi son problème? Maintenant il décide de me tomber dessus, apparemment c'est plus rigolo. Faut pas que je joue comme un connard juste parce que j'ai plus de PV là. Ça part vite, mine de rien. RPZ le jeu vidéo en man. Tibetter! Tiens, dans le jarret! Non. Aïe! Aïe, midlife, il va s'arracher le bras. Profite pour y mettre 2 patates. 3 patates. On a un peu poussé la chance là. Ah! Oh là là, mais ça ratisse! Ça ratisse de ouf! Laisse-moi bouger! Oh, mais. Attends, je suis collé à un mur là? Je crois que je suis collé à un mur. Je pouvais plus reculer là. Petit bêtard. Oh, le petit bêtard, il m'a quand même tué. Ça ratisse beaucoup trop, comment j'esquive ça? Ouais, j'avoue que t'as été collé à un mur hein, par contre. Ouais, d'accord. Bon alors du coup j'ai un petit peu moins de vie, mais ça reste quasi full life, donc on est content. Oui! Allez! Ha! Je m'amuse! Ha! Grâce à la massue... Ça y est, ouais, tu vois j'étais blanc rayonnant tout à l'heure, je commence déjà à ressembler à un zombie dégueu. C'est bien ça. Bonjour, laisse-moi rentrer avant que Jean-Jacques me tape. Merci. Bonjour. Comment allez-vous? T'as pas envie de me tomber dessus cette fois là? Non? Plus envie. Faut que je sois patient, faut que j'arrête là, je prends des dégâts pour rien. Pas bien. Aïe. C'est nul ce boss.
T'as pas encore envie de s'arracher le bras là? Eh! Aïe! Je crois que maintenant il a envie. Vite! Le plus de patates possible. 3. 3 patates. PD! À moi-même, ce heal devant lui, pas une bonne strat. Je pense qu'on avance quand même, mine de rien. Je trouve que on devient presque. Non, on est toujours mauvais. C'est quand même bien, Dark Souls. Ah, moi j'aurais rage kit depuis longtemps, je pense. Hein. De quoi? J'aurais rage kit depuis longtemps, je pense. Ah, on dirait peut-être pas, mais je m'amuse. Hein. Genre c'est que tu sais que le boss, genre lui en tout cas, tu sais qu'il est nul, tu sais que tu peux le battre, donc là si je meurs, c'est je peux en prendre qu'à moi-même, à chaque fois je suis pas assez patient et c'est bien fait pour ma tronche. Ouais. Allez. Deux patates. On va lui mettre que des coups de deux patates parce que c'est safe. On va rester à distance quand il ratisse. Un, deux. Il écrase le sol. Un, deux. Aïe. Que je dash quand il ratisse. Pas être sous son pied quand il m'écrase. Ah merde, il s'arrachait le bras là, j'avais le temps de le taper. Putain, je vois pas comment esquiver son bras. Lui sauter dans les jambes. Oh, il fait des backdash. On est où là? Un dans la cheville. Oh non, eh oh! Mais dis donc, Jamy. Ça se fait pas ça. Là, je demande un arbitre. Hein. Bon. Ouais, c'est ça, casse-toi, t'en as marre de regarder, j'ai compris. Va-t'en, vas-y. Ouais. De toute façon, t'es plus modo. Non, en vrai, je vais te laisser parce que du coup, demain, bah, y a les photos à prendre. Hein, Ah oui, merde, c'est à quelle heure déjà? Faut que je sois en forme et tout. 14h30, Châtelet. 14h30, Châtelet. Attends, Châtelet, c'est sur quelle ligne? Il y a la B, il y a la A. Il y a la 9. Je pense pas. Ah, bon. Et ce serait quelle sortie de Châtelet? Parce qu'il y a plein de sorties. On se retrouve à Forum Carré parce que voilà. À quoi? La Forum Carré, la place Carré. Oui, je vais essayer de ne pas me perdre. Attends, est-ce qu'il y a la 9? Non, mais il y a la 4, il y a la 1, la 7, la 11 et la 4. Je prendrai par la 1. Ok. Attends. Quoique. Je reviens, mais trajet quand même. Ça serait intéressant quand même. Photoshop, il y a des fois, il y a des photos. Photoshop qui ne fonctionne plus depuis que j'ai mis la jour ma carte graphique. C'est pas mal ça. C'est pratique. Moi, il y a mon PC qui est mort la dernière fois que j'ai mis à jour ma carte graphique et j'ai dû le ressusciter à la main. C'était très pratique. D'accord. Bon, bah,
ça sur Lightroom. Mais mettre à jour la carte graphique, c'est jamais le bon plan. tant que ça marche, faut pas toucher. Pardon ? En fait, le truc, c'est que, comment il me tape là ? J'avais des blue screens avec mon. Ah bon, alors oui, là, là en effet. Et du coup, là, ça y en a plus. Bah, s'il y a plus de blue screen et que t'as perdu une fonctionnalité Photoshop, c'est, ça paraît correct comme échange. Ouais, oui, bah oui. Alors, faut regarder le trajet. Merde, là il s'arrache le bras, fallait le taper, je le sais en plus. La petite ceinture du 15ème. Non, mais tu marches pas dessus là, j'avais de la vie. Ta mère la grosse. Ta mère la grosse, la grosse. Putain. Il me fait toujours attiser par son bras de merde. Laquelle on va prendre le 16ème, je pense. Du coup, est-ce que on se ferait pas un petit level up avant d'aller le fight? Genre, on va manger des âmes. Ah, mais attends, peut-être tu vas prendre la 9 et nous rejoindre à Châtelet. Parce que là où on y va, il y a la 9. On va manger 4 âmes. Et mon pote, il serait capable de changer d'avis dans les du coup, ouais, on va se retrouver à Châtelet demain, on change pas d'idée. Châtelet 14h30 demain, place carrée. Voilà. Et 2 âmes. Mais continue à prendre. Et une âme. Ouais, j'ai compris, Châtelet. Okay. Alors, maintenant, on va s'asseoir au feu, on va voyager jusqu'à Madame Level Up. Genre au feu lointain. Ah, mais il y a l'Aqua Boulevard en plus. Bon, ça me va. Qu'est-ce que tu veux foutre à l'Aqua Boulevard? Oui, je m'informe. Bonjour Madame Level Up. Âme damnée, gna gna gna. Oui. Level... Niveau sup. Ah. Augmente donc. Ma vitalité et ma force. Ma force ou ma foi? Allez, vitalité et force, oui. Merci, gente dame. Je suis désormais apte à combattre les méchants. Voyager. Et il faut donc que je retourne... Je sais plus où j'étais, ici. Fuck. Parma du phénix, un petit bouclier orné d'un phénix. Quoi? Alors, forêt des géants défunts. Ah d'accord, c'est la forêt des géants défunts. Hein. C'est pour ça que là on combat le dernier géant. Tu vois, il y a du lore dans le jeu. Ça ne veut rien dire. Cette fois je me le fight et je le gérerai parce que j'ai 2 de force en plus. Ça va être bien. Et j'ai également gagné 12 HP. Donc en fait la moitié puisque j'arrête pas de perdre des HP en mourant. Allez, de l'eau. Petit better. Ta main ne ratisse pas autant, vous me mentez, messire. Petit bâtard.
centimètres. Tibétaire. Aïe. Tibétier est méchant. On leur apprend rien à ces enfants. Ah, je me demande si cette attaque là c'est pas un grab et il pourrait pas me grapper et me manger. C'est marrant. Mais... D'accord, c'est normal, hein, c'est ma faute, oui. Non. Oh, je l'ai tué, fils de pute. L'encule décède, l'âme du dernier géant, une clé de soldat, et un fils de pute qui sort de nulle part et qui essaye de me tuer. Tchan, tchan. T'as voulu me tuer, petit bâtard. Eh bien non, me la fais pas, moi. J'ai donc niqué le dernier géant, je suis content. J'ai gagné une clé de je sais pas quoi parce que j'ai pas lu. Les messages nous disent mur illusoire droit devant. Comment ça mur illusoire? Le mur il sonne dur comme tous les autres murs du jeu. Illusion droit devant, mais les mecs qui mettent un message mur illusoire à tous les murs. Bande de fils de pute. Et les gens ont spam le message tête mais trou. D'accord. Parce que le monsieur avait une tête mais un trou. Ça a l'air bien. Ah mais attends, du coup j'ai peut-être gagné la clé de là où il y avait Jean-Michel où je pouvais pas ouvrir la porte. Et si on a chopé cette clé là, on peut avancer. C'est verrouillé. C'est pas cette clé là. Inventaire. On a chopé. Ouvre la porte du soldat dans la forêt des géants. Je suis dans la forêt des géants. Non, j'ai pas chopé une clé. Comment ça s'est verrouillé? Est-ce qu'on n'utiliserait pas... un os du retour. Pour retourner au dernier feu en toute sécurité et ne pas perdre 12 000 âmes qui était équivalent à 6 levels. Voyager à Madame Level Up. Dans level up ma foi ça me sert à quoi.
ça me sert à pas grand chose, mais ce sera pour lancer des sorts. On va plutôt augmenter la force quand un gros sale. Et la vitalité et l'endurance. Oui. Est-ce que je claque mes âmes de l'espace? Âme du dernier géant, âme... Ah, tu sais quoi? Utiliser. Détruire cette âme. J'en gagne donc 6000. J'en perds donc 6000. Parce que j'ai pas eu le temps de voir, mais t'as sauté en arrière ou il s'est passé quoi? Ouais, j'ai appuyé sur le bouton backdash. Ah, c'est bon, ils sont gentils. Je récupère donc mes 8500 âmes qui m'auraient bien fait chier de perdre. Niveau supérieur, s'il te plaît. Donc, plus de vitalité et. On va remettre de la force. Et un dernier level en foi. Non, je suis déjà à 24 en foi. Encore dans la force. Donc t'as 16 en force. Allez, soyons fous. Oh là là, j'ai l'impression d'être invincible. Je suis une toupie. C'est quand même pas moche Dark Souls. Alors, ici, normalement, je ne peux toujours pas tomber. Parce que c'est un peu profond et je vais mourir. Ici, cette porte, je ne peux toujours pas l'ouvrir. Enfin, je n'ai pas la bonne clé. Donc là, j'ai une clé. Mais je sais pas comment on l'ouvre. Est-ce que j'avais tué le marchand ici? Je crois que j'avais tué le marchand. Oui, j'avais tué le marchand. Il avait dû me dire quelque chose dans le sens tu me le paieras. Sauf que bon, quand t'es mort. Elle est quand même dégueulasse, l'euro. Je sais pas comment ils l'ont fait, mais elle est dégueu, quoi. Elle est ultra moche. Je suis en qualité max, là. Il y a de la mer à perte de vue, et elle est dégueu. Qu'est-ce qu'ils ont bité, quoi. Faire une eau aussi moche. Au loin, loin, ça passe bien. Ouais. De près, c'est dégueulasse, quoi. On comprend même pas ce qu'on regarde. On est une purée de pixels dégueu, là. C'est quoi ça? Moi aussi je peux faire des jeux comme ça. Ils ont pris la low mixie là, ils ont Il est fait ça vraiment sur mort comme ça, lui? Et c'est... Il D'accord. est malade. Il est malin, lui. Ah, alors là... Ah, bonjour. Poste du retour, 5. Oh putain, c'est OP, ça. Là, je me souviens qu'on avait une couille, et si je m'agenouillais devant cette merde, ben Georges m'a dit, t'es un connard, fallait pas faire ça. Du coup, je vais pas le refaire. Mais dans la première partie, j'avais fait parce que je savais pas. Et apparemment, ça fait qu'il y a d'autres joueurs qui viennent, genre, t'aggro dans ton monde, pendant que toi, tu te fights déjà d'autres ennemis, hop, ils pop à côté de toi, ils te mettent des patates. D'accord. Donc tu peux gagner des bonnes récompenses si tu les bats, mais souvent c'est pas ce qui se passe.
Parce que c'est rigolo comme jeu d'art. Ah quoi ici? Combien de morts? Plutôt beaucoup, hein. Deux cent cinquante-six millions six cent trente-deux mille. Non. Non, 322 810. Ouais. Et là je regarde 256 322 827. Et là je regarde 256 322 831 833 834 836. C'est quand même cool d'avoir un compteur de mort global de tous les gens morts dans le jeu. On est à 836, on regarde 845. Il y a plus d'une mort à la seconde dans Dark Souls. C'est comme dans la vraie vie, sauf qu'il y a beaucoup moins de gens qui jouent. Donc Dark Souls est plus méchant que la vraie vie. Est-ce que je peux taper la madame qui me fait level up? On va pas la tuer, dans le doute. Ça se trouve, c'est un personnage important. Dans le sens où si je la tue et je peux plus level up, je vais avoir bien le seum. Ouais, tu l'auras vraiment plus. Mais par contre, attends, j'ai vraiment rien d'autre que des armes à la. Ça, c'est de la merde. Peut-être je peux améliorer ma masse au forgeron. Peut-être, tant pis, cette masse de merde level 1, je vais l'utiliser tout le jeu. Bonjour forgeron, bien ou bien? Attends, pourquoi, c'est quoi tous ces mecs morts là? Ils ont essayé de se taper le forgeron. Essaye pas de te taper un forgeron. Il est ultra vénère le forgeron, tu le tapes pas ça. Non. Parce que après, à chaque fois que je le recroiserai, il voudra me péter ailleurs. La première fois que j'avais fait le jeu, j'étais là, il y avait un PNJ à la con. Un peu loin, j'avais essayé de me le taper. Il m'avait pété la gueule, j'y suis retourné et il voulait toujours me péter la gueule. Ouais. Renforcer arme, armure. Disons, je veux renforcer ça. Il me faut 520 âmes et 3 fragments de titanite et j'en ai qu'un. Et bah, titanite, ta mère. Ça fait longtemps que je contente cette blague. De toute façon, t'es pas beau. Je vais te montrer le PNJ que j'avais tué et que après j'avais regretté de l'avoir tué. Pour la simple et bonne raison que genre il a une arme, ce PNJ, et cette arme est stylée. Et je me suis dit, ça se trouve, si je tue, je récupère son arme et j'aurai une arme OP et stylée. Le fait est que son arme est en effet stylée. Ouais. Look at 10 épées, man. Une épée de lumière du cul qui brille. Et donc, au début, je l'ai tapé, il m'a pété la gueule, j'y suis retourné, il m'a pété la gueule, j'y suis retourné, il m'a pété la gueule, j'y suis retourné, il m'a pété la gueule. Au bout d'un moment, je l'ai tué. Sauf que il m'a droppé son arme, qui avait en effet, beaucoup de dommages, mais Ouais. Qu'il fallait un élément à la con débile pour pouvoir la manier, que je n'avais pas. Et donc elle était inutile en fait. C'est une épée qui est rigolote, mais qui est inutile. Du coup, j'ai tué un PNJ pour rien. J'ai boosté une stat à la con qui ne me servait à rien à part avec cette arme pendant 1000 ans. À farmer des levels comme un débile, et une fois que je pouvais manier l'arme, elle puait la merde. D'accord. Donc j'étais la tristesse. Hein, sur mes 8 heures de jeu, il y a 4 heures pour farmer pour pouvoir équiper l'arme. J'étais plutôt triste. Et du coup, vu que je sais plus où aller là dans le jeu, je vais m'arrêter là, je pense. Et arrêter de backdash. Merde. Putain, en vrai, je sais c'est quoi le problème. C'est que tout ce matin, j'ai joué.
à Zelda Breath of the Wild. Et Nintendo, ils ont gardé la disposition des boutons comme à la japonaise, c'est-à-dire que le X, le Y sont inversés et le B et le A sont inversés. Donc, quand je veux annuler quelque chose, parce que tout ce matin je me suis fait chier, dès que je voulais annuler quelque chose en jouant à la Wii, bah, j'appuyais sur B, sauf que c'était à l'emplacement A, et du coup j'avais dans le cul, et inversement. Et là, ben, ça me refait la même parce que je me suis réhabitué aux autres commandes. Et c'est chiant. Boîte à objets. Est-ce que j'ai mis des trucs dans ma boîte à objets? Je ne crois pas. Et du coup, attends, j'ai une clé. J'ai des fragments. Mais non, j'ai trois fragments de titanite. Attends, je peux peut-être améliorer mes trucs finalement. On va cramer une âme du roi du cul là. Je sais pas quoi sert son âme. Hop, on la mange. Dans le doute. 6000 âmes. Hein, tant pis, à ma foison, à moins que, trois petits points, tu fermes ta gueule. Tu me dis ce que ça fait, sinon je le mange. Bonjour forgeron. Je veux que tu renforces mon arme de type massue moche. Oui. Et encore. Oui. Parfait. Du coup, ma massue, elle est trop OP. Et en plus, je peux encore gagner deux levels, je crois. Ou un. Ou Ouais, un. ouais, Ou ouais. un demi. Vas-y, tu laisses. Au revoir. Au revoir. À demain. Enfin, à tout à l'heure. Donc nous, on va quitter la partie. Oh, ce fut un stream correct. On a réussi à avancer dans Dark Souls. C'est quand même pas rien. Au revoir.